la durée des travaux, on est parti sur une durée de 6 à 8 mois, sur une longueur qui est quand même de 1000 mètres quasiment. Ce qui explique la durée de ces travaux, c'est que vous devez déjà commencer par manutentionner les canalisations. On a donc affaire à des tuyaux qui sont en matériaux fonte et qui sont, dont la longueur est de 8 mètres, le diamètre 1,40 m. Donc vous imaginez toute la logistique, les terrassements à réaliser avec la présence de réseaux à proximité, le maintien des conditions de sécurité pour les agents qui interviennent. Le fait que ces tuyaux ont beau peser 5 tonnes, vous devez les poser avec une pente maîtrisée. Le rendement de pose d'un nombre de tuyaux, c'est à peu près 2 tuyaux par jour, soit 16 mètres. Les travaux auront un impact sur la rive droite du gave de Pau, donc la partie nord. Et les communes concernées, ce sont les communes de Bière, la commune de Pau, le nord d'Hydron, Bizanos et une toute petite partie de Lons. La durée de vie attendue des ouvrages que nous sommes en train de construire est d'environ 100 ans. Donc effectivement, les gens peuvent ressentir une forte gêne par rapport à l'impact, les conséquences sur leur vie personnelle, notamment pour les riverains et les gens qui empruntent cette route tous les jours. Mais une fois qu'on sera passé, on part du principe qu'on ne les embattra plus pendant un siècle.